Bien-aimée, fidèle de Une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour continuer sur notre lancée. Nous avons commencé depuis un certain temps à parler des besoins respectifs du mari et de la femme dans le couple. Nous avons parlé des quatre premiers besoins de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième besoin du mari, qui est le besoin de paix et de tranquillité, le besoin de soutien au foyer. Nous allons prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur avant de continuer. Tendre Père, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu me donnes encore de parler à tes enfants. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment par ton esprit. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle, dirige toutes choses, dispose les cœurs, dispose l'entendement, dispose ma bouche. Permets que ton conseil, tout ton conseil, soit partagé avec tes enfants. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé du quatrième besoin de la femme, qui est le besoin de soutien financier. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième besoin de l'homme, qui est le besoin de soutien au foyer. Le besoin de soutien au foyer de l'homme est un besoin qui est aussi méconnu. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le besoin de soutien financier des femmes est un besoin qui n'est pas tout à fait bien exprimé. Et le besoin de soutien au foyer des hommes aussi, souvent n'est pas tout à fait bien exprimé. C'est vraiment les deux besoins qui créent dans la vie quotidienne des foyers beaucoup de dysfonctionnements, de disputes, de ressentiments, de frustrations. Et pour commencer à parler de ce besoin, je vais vous raconter une petite histoire. J'espère que beaucoup d'entre vous vous reconnaîtront dans cette histoire. Donc, on prend un homme et une femme. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils travaillent tous les deux, ils s'aiment, ils se marient, ils commencent à vivre ensemble. Et c'est l'harmonie. Le mari aide la femme dans les tâches ménagères. Ils font tout à deux, la cuisine, la lessive, la vaisselle. Le mari s'occupe de certaines choses qui sont un peu le domaine réservé des hommes, le bricolage. Certaines activités spécifiques, et puis la femme, elle s'occupe de la maison, tout va bien, ils sont heureux. Et puis, le premier enfant arrive, peut-être la femme, elle décide de ne plus travailler à plein temps, ou bien continuer à travailler à plein temps, mais le premier enfant arrive, le mari. Devant l'augmentation des charges, un nouvel enfant, le premier arrive, le deuxième arrive, donc plus d'enfants, il faut s'en occuper, il faut les scolariser, il faut. Donc, en tout cas, les tâches ménagères augmentent et les charges financières aussi augmentent, et le mari peut décider de travailler davantage ou bien, en plus de son travail, de prendre des cours pour pouvoir améliorer. En tout cas, il est de plus en plus occupé de son côté, dans le cadre de son travail, et sa femme aussi est de plus en plus occupée, à la fois peut-être au travail ou même en étant à la maison, de plus en plus occupée. Et son mari l'aide de moins en moins, et ça avance comme ça. Donc, de plus en plus, la femme est frustrée de ce que toutes les charges de la maison, tout le travail de la maison repose sur elle. Quand elle est au foyer, elle peut être frustrée, mais elle exprime un peu moins. Mais quand elle travaille, la frustration est vraiment importante parce que souvent elle arrive à la même heure que son mari du travail, mais en plus elle doit s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. En Afrique, en tout cas, on a moins de pression à ce niveau parce qu'on peut se faire aider, mais la pression existe toujours parce qu'on ne peut pas se faire aider pour tout. Il y a des charges qui ne peuvent qu'être accomplies que par la maman. Et elle est obligée de le faire, et donc de plus en plus elle se sent frustrée aussi d'avoir à avoir en quelque sorte ce second boulot après le boulot qu'elle fait à l'extérieur. Et donc elle est de plus en plus exigeante vis-à-vis de son mari qui lui aussi est de moins en moins enclin à l'aider parce que subissant la pression, le stress du travail pour gagner plus, pour s'occuper de sa famille. Et finalement, la réaction du mari, ça va être une réaction de fuite. La fuite, c'est peut-être d'abord le fait de rentrer de plus en plus tard, mettant ça sur le compte du travail. Mais parfois, il reste simplement tard au travail parce qu'il n'a pas envie de rentrer tôt à la maison.
Ou alors, après le travail, il va retrouver ses amis pour se relaxer un peu, avoir un peu de tranquillité. Et puis, si les choses se passent de plus en plus mal, il peut finir par avoir une liaison. Donc, une femme à l'extérieur qui, elle, lui accorde ce cadre relaxant, apaisant dont il a besoin, alors que quand il rentre à la maison, c'est les reproches de sa femme, c'est les récriminations de sa femme, etc. Donc, c'est une histoire qui paraît banale, mais qui se répète assez souvent. Et qui souvent se termine mal, mais dans mon cas, j'ai choisi de la terminer bien parce que le monsieur, donc finalement, il a cette liaison, il ne rentre plus chez lui parce que quand il rentre chez lui, sa femme qui est de plus en plus furieuse et donc de plus en plus, de moins en moins capable de lui donner l'affection, le repos dont il a besoin. Donc il va le plus en plus souvent chez sa maîtresse, qui elle, quelle que soit l'heure à laquelle il arrive, s'occupe bien de lui, lui a préparé un bon repas, en tout cas le prend en charge. Et finalement, sa femme le quitte parce qu'elle n'en peut plus. Et donc, il se retrouve avec sa maîtresse, qui elle maintenant, qu'elle occupe la place de la femme et qu'elle n'est plus en compétition avec quelqu'un, elle aussi, elle arrête parce que aucune femme ne peut sur le long terme faire ce qu'elle faisait. Elle faisait tout cela pour gagner le mari de l'autre. Maintenant qu'elle l'a, elle se transforme en femme aussi. Donc avec des récriminations, avec des demandes excessives d'aide, etc. Et donc finalement, comme je dis, mon histoire se termine bien. Le monsieur, il retourne avec sa femme. Les deux se rendent compte de ce qui n'allait pas. Et donc la femme ayant compris vraiment le besoin de son mari d'être prise en charge dans le foyer, que la maison soit prise en charge par elle, les responsabilités de la maison soient prises en charge par elle, et que tout ce qui est pris en charge, même du mari aussi, soit fait, fait des efforts, et finalement, en s'aidant, en s'entraidant, ils arrivent à renouer les liens et à reprendre les choses sur leur base. Cette histoire illustre, à mon sens, avec quelques nuances, la plupart de ce que beaucoup de couples vivent. Parce que quand on fait les cours de mariage, oui, c'est toujours je vais t'aider, non, tu ne seras pas seule à faire les tâches ménagères. Et en général, au début du mariage, ça se fait comme ça. Parce que quand vous êtes à deux, vous n'avez pas vraiment besoin d'une servante. Ou même si vous en avez besoin, c'est vraiment, bon, elle vient peut-être juste faire le ménage, etc. Donc, vous arrivez à gérer à deux, mais quand les responsabilités de l'un et de l'autre s'accroissent, ça crée inévitablement des difficultés. Et ce sur quoi je voudrais insister, comme j'ai insisté la semaine dernière sur le besoin des femmes, je voudrais insister auprès des femmes, des épouses, qu'elles prennent en compte véritablement ce besoin. C'est un besoin réel chez les hommes. Le besoin de soutien, de sentir que leur femme s'occupe de la maison et des enfants de manière organisée et efficace. C'est ça leur besoin. Que leur femme s'occupe de la maison et des enfants de manière organisée et efficace. Ça veut dire que elle a les choses en main, elle est bien organisée, les résultats sont là, la maison est propre, les enfants sont propres, ils sont bien tenus, ils sont heureux. En tout cas, il y a une atmosphère de paix, d'harmonie, de joie dans cette maison. C'est ça le besoin de l'homme. Quand on dit besoin de soutien au foyer, c'est le besoin d'avoir une femme qui le décharge de cette responsabilité de tenir une maison et de s'occuper des besoins basiques d'un enfant. C'est ça le besoin de l'homme. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un besoin qui est méconnu par beaucoup de femmes. Pourquoi? C'est un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. Parce que on est dans une société où on a brouillé les choses, où on a brouillé les lignes. Et de plus en plus, on loue ces pères qui s'occupent de leur maison, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent pratiquement 50-50 des tâches ménagères. De la même manière qu'on loue la femme qui s'occupe des finances de la famille à 50% avec son mari. Donc quand une femme travaille et qu'elle est impliquée dans les besoins financiers de la famille,
elle ne se sent plus tellement obligée d'être à 100% sur tout ce qui concerne l'organisation de la maison. Parce qu'elle dit, si je t'aide à assumer tes charges financières à 50%, c'est que toi aussi, tu dois m'aider à assumer mes tâches domestiques à 50%. Or, le fait de participer financièrement, le fait de contribuer même à 50%, même plus que le mari, n'enlève pas le besoin du mari, lui, d'être soutenu. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que le besoin est là, il peut le refouler, il peut le cacher parce que sa femme lui dit, mais... Et lui-même, il voit que raisonnablement, de façon logique, ce n'est pas possible qu'une femme qui travaille autant que lui, qui rentre aux mêmes heures que lui, peut-être même plus tard que lui, ait à s'occuper de la maison plus que lui. Lui-même, il se rend compte que ce n'est pas logique. Mais le fait que ça ne soit pas logique, ça n'enlève pas son besoin. C'est ça, c'est là où les problèmes commencent. Parce que le besoin est là, c'est un besoin réel. Qu'on le cache, qu'on le nie, qu'on l'oublie ou pas, tôt ou tard, à un moment, ce besoin va ressurgir. La plupart des thérapeutes qui travaillent avec les couples disent que les hommes en général, c'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé, mais les hommes en général ne parlent pas de ces choses-là entre eux. Un homme ne va pas aller dire à son copain, même si c'est son meilleur ami, que voilà le besoin que je ressens et que ma femme... Non, il ne va pas en parler. Il n'en parle pas. Mais c'est un besoin qui est là. Et quand ils vont souvent en consultation ou qu'ils rencontrent des coachs ou des thérapeutes lorsque le couple est en crise, c'est des choses qui ressortent. Parce que le besoin est là. Le besoin est là. Le fantasme de la plupart des hommes, c'est ce fantasme d'un homme qui rentre le soir du travail, il rentre, il est fatigué, il a une dure journée, mais quand il rentre dans sa maison, sa femme l'accueille, elle est bien habillée, elle sent bon, elle lui fait un bisou, elle lui demande de s'asseoir, de se détendre, elle lui enlève les chaussures, elle lui masse les pieds, les enfants aussi viennent, ah, papa, papa, ils entourent papa, ils prennent le sac de papa, ils enlèvent les chaussures de papa, et puis sa femme lui dit, mon chéri, repose-toi, détends-toi, je vais terminer rapidement le dîner, et puis on va manger en temps, il sent l'odeur même, pendant qu'il est en train de se reposer, il sent l'odeur de la cuisine, etc. Et puis bon, une fois qu'ils ont mangé, les enfants sont couchés, il est assis avec sa femme, il cause, il regarde un peu la télé, ils font l'amour et puis ils s'en vont dormir. Ça, c'est le fantasme de l'homme. Quand il pense, un homme, avant de se marier, quand il dit, ah, mais quand je serai marié, c'est comme ça que ça va se passer. Mais entre nous, dans combien de foyers ça se passe comme ça? Dans combien de foyers ça se passe comme ça? Est-ce qu'ils rentrent dans une maison où il y a cette atmosphère? Non, pas toujours. Parce que parfois, ils rentrent ensemble avec sa femme. C'est peut-être lui qui va la chercher au travail. Mais même s'ils ne rentrent pas ensemble, que chacun rentre, ils rentrent à peu près quasiment aux mêmes heures. Sinon, la femme rentre plus tard, bien le mari rentre plus tard. Mais ce n'est pas ce film qu'il se faisait dans sa tête qu'il vit au quotidien. Même aujourd'hui, quand on quitte le plateau à 18h, on n'arrive pas à la maison. Quand on arrive vers Benjerville, avant 20h, à 20h, quel moment ce scénario idyllique-là va se passer? Donc, nous voyons que le besoin est là. Mais il y a beaucoup de choses dans notre société moderne qui s'opposent à ce que ce besoin-là soit rempli. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, en parlant avec vous, c'est que, d'abord, le mari lui-même prend conscience de ce besoin et l'exprime clairement. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, ils ont tendance à ne pas exprimer ce besoin parce que ce qu'on attend d'eux, justement, de l'homme moderne, c'est qu'il aide sa femme. Et il n'y a aucun homme, en tout cas, à mon sens, la majorité des hommes, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il peut s'asseoir et puis voir sa femme se taper tout le boulot et puis ne pas l'aider. Non, il y a peu d'hommes qui ont ce sentiment-là, qui veulent vraiment que leur femme se tue à la tâche. Non, ce n'est pas son besoin. Mais quand il a été concentré sur sa responsabilité,
qui est de pourvoir aux besoins financiers de sa famille, quelle énergie il a encore pour t'aider. C'est ça la question. Donc, il faut, je pense que mon ambition en partageant ce besoin avec les mariés et les femmes, c'est de vous amener à vous asseoir et à parler et à décortiquer la situation que vous vivez. Parce que les situations sont tellement différentes, parce qu'il y a le mari qui travaille, sa femme qui ne travaille pas, qui est à la maison. Ça aussi, ça crée des frustrations parce que, effectivement, comme je viens de le dire, on dit elle ne travaille pas, alors qu'elle travaille. Seulement, elle ne travaille pas à l'extérieur, elle travaille à la maison. Et le travail qu'elle fait, son mari ne le mesure pas à sa juste valeur. Donc, il a l'impression que c'est lui seul qui travaille. Et donc, elle ne travaille pas, quoi. Elle est à la maison, elle regarde telenovelas toute la journée. Donc, elle doit être corvéable à merci quand lui, il est là. Parce qu'il n'a pas une idée claire des responsabilités qu'elle assume en étant au foyer. Deux, les deux travaillent. Là aussi, chacun ne mesure pas le stress de l'autre par rapport à son travail déjà et par rapport aux responsabilités qu'ils doivent assumer. Donc là aussi, il faut à un moment donné s'asseoir et puis réfléchir à comment alléger la tâche l'un de l'autre tout en répondant aux besoins l'un de l'autre. Et puis, troisième situation où le mari travaille et la femme travaille, mais la femme travaille moins que le mari. Peut-être qu'elle est à temps partiel ou peut-être qu'elle a des responsabilités qui lui permettent de rentrer plus tôt, un travail qui ne la stresse pas trop. Donc, elle peut aussi jongler en son travail et alors que le mari, lui, a vraiment des responsabilités qui le retiennent en dehors du foyer et qui lui permettent de l'assurer. Donc, toutes ces situations-là, il faut les considérer et trouver l'équilibre. L'équilibre étant que le besoin de la femme dont j'ai parlé la semaine dernière, qui a un besoin d'avoir un mari qui la prenne en charge financièrement, qui prenne en charge sa famille financièrement, soit comblé, et qu'en même temps, le besoin du mari qui est d'avoir une femme qui tienne sa maison, qui tienne les responsabilités, qui le décharge de ses responsabilités d'une manière organisée et efficace, ce besoin-là également soit comblé. Les problèmes viennent quand on a une femme qui est peu disposée à assumer ses responsabilités, qui ne reconnaît même pas que c'est sa responsabilité de s'organiser pour que son foyer soit un foyer agréable, que sa maison soit bien tenue, que ses enfants soient bien éduqués, bien tenus, bien pris en charge. Et il y a des femmes qui ne comprennent pas que c'est leur responsabilité. Elles n'estiment pas que c'est leur responsabilité. Elles estiment qu'à partir du moment où on est marié, qu'on fait les enfants à deux, c'est notre responsabilité commune. Non, c'est la responsabilité de la femme, à titre principal, de tenir son foyer, comme c'est la responsabilité de l'homme, à titre principal, de subvenir aux besoins de financiers. C'est ça le partage normal. Maintenant, compte tenu de la manière dont nous vivons, il peut y avoir des différences, mais justement, il faut prendre en compte ces différences et arriver à retrouver l'équilibre qui, à l'origine, était que chacun a son domaine de responsabilité et que l'autre peut l'aider dans son domaine de responsabilité, mais ce n'est pas une exigence. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, parce qu'elles travaillent, exigent que leur mari les aide à assumer les tâches du foyer. Non, on n'a pas exigé. De la même manière que lorsque toi tu travailles, ton mari n'a pas exigé que tu participes aux charges basiques de la maison, toi tu n'as pas exigé de lui qu'il participe aux tâches ménagères, à la gestion de la maison. C'est ta responsabilité. C'est ton domaine de responsabilité. Donc, si tu n'es pas disposé à assumer cela, c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. De la même manière, un homme qui doit assumer donc ses responsabilités ne doit pas non plus emmener sa femme à travailler pour l'aider et puis après, en même temps, lui mettre la pression pour qu'elle tienne son foyer comme si elle ne travaillait pas. Il faut en tenir compte. C'est vrai que ton besoin, c'est qu'elle soit un soutien pour toi. Mais si vous avez convenu tous les deux qu'elle doit travailler comme toi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des aménagements pour qu'elle puisse effectivement tenir cette responsabilité qui est celle d'être la maîtresse du foyer et de tenir la maison de manière organisée et efficace.
Le besoin est là. Maintenant, nous avons vu quelles sont les difficultés qui apparaissent pour combler ce besoin. Quand j'ai raconté tout à l'heure le fantasme des maris, de rentrer, d'être accueilli sur le pas de la porte par une belle femme, bien habillée, les cheveux bien coiffés, sentant bon, etc. Je crois que beaucoup de femmes ont rigolé dans leur cœur en se disant, mais ça, ça vient d'où? Mais moi, je te mets au défi de poser la question à ton mari. Demande-lui, est-ce que ce fantasme-là, c'est pas un de ses fantasmes? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il espérait au moment où il s'est marié? Est-ce que c'est pas ce à quoi il s'attendait? Demandez, posez la question. Je pense que prenez le temps. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas entre mari et femme. Pourtant, ce sont des choses qui sont là. Ce n'est pas une histoire de blanc. Parce qu'effectivement, quand on regarde dans les films, c'est souvent on sera. Mais c'est pas. Non, c'est un besoin. C'est un besoin. Et ce besoin-là, mon expérience m'a montré qu'il est d'autant plus fort chez les hommes qui ont pour langage d'amour les services rendus. Parce que pour eux, le fait que leur femme leur rende service en s'occupant d'eux, de leur linge, de leur repas, c'est qu'elle les aime. C'est un message d'amour. Mais même chez qui, ce chez qui, ce n'est pas un message d'amour, c'est un langage d'amour. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. C'est vrai que je n'en ai plus vraiment parlé par la suite, mais l'idée de la banque de l'amour. Quand on rentre, quand on répond aux besoins de son conjoint, on alimente sa banque de l'amour. Quand on ne répond pas à son besoin, on ne met rien. Et même quand on pose des actions même qui vont à l'encontre du besoin, on est en train de vider sa banque d'amour. Donc c'est important. En tenant compte de ce besoin en tant que femme, en le prenant en charge, moyennant discussion, moyennant aménagement, je suis d'accord. Compte tenu de la situation que tu vis, je suis d'accord. Mais il faut que tu réalises que c'est à toi qu'est donnée la responsabilité principale d'être un soutien au foyer. Il faut que tu le réalises. Et comme je le disais en donnant mon témoignage la semaine dernière, c'est des choses dont on ne parle pas aujourd'hui et on n'est pas préparé à ça. Parce qu'on se dit, mais on a fait les mêmes études. On tient pratiquement les mêmes emplois. On a les mêmes responsabilités en termes professionnels. Mais pourquoi, en plus de ça, moi j'aurais un deuxième boulot à la maison et lui, il va se croiser les bras et attendre que je fasse tout. Et on est frustré pour ça. Et on handicape la relation parce que c'est des frustrations quotidiennes. Ce sont ces petits renards qui existent dans les couples et qui détériorent l'atmosphère du couple à l'air de rien. Parce que déjà, quand tu as une journée, tu travailles comme ton mari, tu as les mêmes responsabilités que lui, tu subis le même stress, peut-être même plus même, et que tu rentres, et qu'en plus, lui peut s'asseoir devant la télé, croiser les bras, et que toi, tu dois encore faire, je ne sais pas, une deuxième journée de travail. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui supportent ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui supportent ça. Même quand elles ont une servante, même quand elles ont des aides. Donc ça, c'est un sujet important à discuter entre vous pour justement éviter de laisser ces petits renards-là détruire votre relation. Vous en avez besoin et c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose auquel il faut prêter une attention particulière. Parce que, à l'origine, c'est d'ailleurs avant de vous marier, c'est comme un échange implicite que vous avez eu. Là, l'homme s'attend à ce que tu simplifies sa vie quotidienne. Il est prêt à t'aider. Parce que quand un homme est célibataire, toutes ces choses-là, il le fait. Sauf s'il habite chez ses parents encore. Mais quand il est célibataire, il est seul chez dans sa maison. Il se prépare à manger. Il nettoie sa maison. Bon, plus ou moins. Hein, on sait comment sont les maisons. Mais en tout cas, il se débrouille pour tenir sa maison. Ça veut dire que quand tu viens dans sa vie, il sait que tu vas l'aider à faire ces choses-là. Il est prêt à t'aider à le faire. Parce que c'est quelque chose qu'il fait déjà. C'est quelque chose, il sait que tu es entré dans sa vie pour le décharger de certaines de ces tâches-là. Il est très enclin à t'aider. Mais c'est le chemin faisant,
lorsque ses responsabilités augmentent, lorsque de plus en plus il doit se battre pour nourrir sa famille, c'est ça qui fait que ça lui devient de plus en plus difficile. Et ce qu'il faut retenir, nous les femmes aussi, c'est que les hommes n'ont pas de mal à se battre pour nourrir leur famille. L'énergie qu'ils dépensent là, ils estiment que c'est normal, c'est-à-dire c'est sa responsabilité. Mais en contrepartie, c'est pour ça que je parlais d'échange implicite, en contrepartie, il s'attend à ce que tu l'aides. Maintenant, quand tu ne l'aides pas, peu importe la raison, parce que j'ai dit il y a des bonnes raisons, comme le fait de travailler comme lui, mais peu importe la raison, quand tu ne l'aides pas, quelque part, cet échange implicite qu'il y avait, cet accord implicite qu'il y avait entre vous au début, cet accord-là n'est pas respecté et l'homme est frustré. Le ressentiment et la frustration que cette situation crée aussi bien chez le mari que chez la femme, il faut donc y trouver une solution. Il y a le ressentiment et la frustration chez le mari parce que son besoin de soutien au foyer n'est pas comblé. Il y a le ressentiment et la frustration chez la femme parce qu'elle a l'impression que son mari ne veut pas l'aider à assumer les tâches ménagères, que son mari ne se rend pas compte du poids des responsabilités qu'elle a, surtout lorsqu'elle travaille à l'extérieur. Donc, il faut trouver une solution à ce ressentiment et à cette frustration. Et la solution, c'est d'arriver à répartir les tâches au foyer de façon appropriée. Le fait que l'homme ait le besoin de soutien au foyer ne veut pas dire que l'homme ne veut rien faire au foyer, à part quelques hommes. Et même ces hommes-là, je pense que c'est parce que leur femme ne présente pas bien les choses, qu'elle peut-être elle est plus dans le domaine des murmures et des plaintes que de véritablement dire « voilà ce à quoi je fais face, voilà pourquoi j'ai besoin de ton aide, parce que tu es mon mari, tu dois m'aider. » Donc, il faut arriver à une répartition, je dirais, appropriée. Ça ne veut pas dire équitable, parce que c'est la responsabilité de la femme. Donc, quand tu as une responsabilité, l'autre peut t'aider. Comme je l'ai dit la semaine dernière, quand tu as une responsabilité, l'autre peut t'aider, mais c'est ta responsabilité d'abord. Donc, il faut arriver à partager les tâches de manière appropriée, en fonction de la situation. Ce n'est pas la même chose quand la femme est totalement au foyer que quand elle est totalement dans un emploi qui nécessite véritablement aussi qu'elle passe du temps dans son travail et beaucoup d'énergie, beaucoup de stress. Donc, il faut répartir les tâches de manière appropriée. La première chose qu'il faut faire, c'est déterminer quelles sont les tâches à faire. La liste de toutes les tâches qu'on doit faire. Comme je le dis, en Afrique, on a la chance de pouvoir se faire aider. Donc, par exemple, si on dit la responsabilité de la femme, c'est de faire les repas, c'est vrai que ce n'est pas elle qui fait les repas tout le temps. Mais c'est sa responsabilité, même si elle a une servante, de la superviser, de veiller au marché, des choses comme ça. Donc, elle a cette responsabilité. Qu'est-ce que chacun fait? Il faut d'abord lister toutes les tâches. Première chose, quelles sont les responsabilités? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ensuite, il faut voir comment les tâches sont partagées aujourd'hui. Est-ce que c'est 100% la femme, le mari ne touche à rien? Ou bien, il y a déjà un partage actuel? Et puis, il faut aussi voir ce que l'un et l'autre aiment faire. En tout cas, ce que je vous conseille dans cette répartition, c'est qu'il faut prendre en priorité les tâches que vous aimez faire. Femmes, donnez à vos maris en priorité ce qu'ils aiment faire dans ce partage. Parce que ce n'est pas leur responsabilité. Si vous leur donnez des choses qu'ils n'aiment pas faire, ils ne pourront pas tenir dans la durée. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je déteste faire la lessive. Mais par contre, vaisselle, tu me donnes tout. Je ne sais pas s'il y a un mariage, tu me donnes toute la vaisselle du mariage à faire, il n'y a pas de problème. Je vais le faire parce que j'aime faire la vaisselle. Donc le mari peut-être aimer faire la vaisselle, mais pas la lessive. Donc s'il aime faire la vaisselle, donc c'est ce qu'il va, il va prendre en charge. Donc quelles sont les tâches? Deuxièmement, comment on partage actuellement? Et qu'est-ce que chacun d'entre nous préfère faire? Étant entendu que
les tâches que l'une, l'un et l'autre ne préfèrent pas vont incomber à la femme dont c'est la responsabilité. Ensuite, il faut partager. Équitable, ça ne veut pas dire égalitaire. L'équité, c'est tenir compte de la situation de chacun pour lui donner des tâches à faire. C'est ça qui est l'équité. L'équité ne veut pas dire forcément l'égalité. L'égalité, ça veut dire que, bon, on lisse les tâches. S'il y en a 10, toi tu prends 5, moi je prends 5, non. Équitable par rapport aux responsabilités du mari à l'extérieur, par rapport au poids, au stress qu'il a à chercher l'argent pour nourrir la famille. Équitable par rapport à la situation de la femme. Donc ça, c'est la troisième chose à faire. Et puis la quatrième chose à faire, que chacun puisse faire ce qu'il préfère. C'est nettement plus facile. Maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a des choses qui doivent être faites, mais qu'aucun d'entre vous ne préfère, bon, ça va revenir à la femme. Dans cet exercice de trouver une solution, retenez que ce que vous recherchez, c'est de préserver le sentiment d'amour entre vous. C'est de prendre en compte le fait que pour un homme, le soutien au foyer est un besoin. Donc, faites cette liste, établissez cette discussion en ayant cela en tête pour bien faire les choses. Bon, pour terminer, comme d'habitude, je vais vous donner quelques sujets de réflexion, individuels d'abord et ensuite en couple, pour que vous puissiez véritablement avancer sur cette question si cela est une difficulté pour vous dans votre cas. La première question pour les femmes, c'est que tu dois te poser la question, est-ce que j'ai conscience de ce besoin de mon mari? Est-ce que j'ai conscience que mon mari a besoin de ce soutien au foyer, que c'est un besoin pour lui? Souvent, on n'en a pas conscience. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut te poser la question, est-ce que j'en ai conscience? Deuxièmement, est-ce que selon toi, ton mari comprend toutes les responsabilités que tu assumes aujourd'hui? Et est-ce que tu estimes qu'il fait preuve de mauvaise volonté pour t'aider? Est-ce que tu peux répondre à cette question toi-même d'abord? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il a une idée de toutes les responsabilités que tu assumes, de tout ce que tu fais? Souvent, comme je l'ai dit, les femmes au foyer, leurs maris ont l'impression qu'elles ne font rien. Je me rappelle, je crois que c'est un film, ou je ne sais plus, où le mari était tellement persuadé que quand il partait au travail, lui, le matin, de toute façon, lui, il travaillait, il était sous pression toute la journée, sa femme ne faisait rien. Et sa femme lui a dit un jour, on va échanger. Moi, je vais aller à ton travail et puis toi, tu vas rester à la maison. Quand sa femme est rentrée le soir, elle a dit non, c'est bon. Je vais retourner au travail. Toi, tu faut rester à la maison. Elle est venue, elle a trouvé dans sa maison dans un état pas possible. Parce que les enfants, tout, en tout cas, c'était catastrophique. Donc, ne pensez pas que parce que votre femme est à la maison, elle ne fout rien. Hein? C'est pas vrai. La femme qui est assise devant télé, novelas, toute la journée, se fait les ongles. Ça, c'est un mythe. Une femme qui est à la maison fait beaucoup de choses. Elle n'est pas sans travail, comme on dit. Je ne fais rien. Je suis femme au foyer. Tu es femme au foyer, tu ne fais rien. Tout ce que tu fais là, c'est plus que le travail. Tu es infirmière, tu es assistante sociale, tu es cuisinière, tu es tout. Tous ces métiers là, toi seul tu fais. Tu es blanchisseur, tu fais de la blanchisserie, du repassage, tout, tu es technicien de surf, tous les métiers là sont concentrés entre tes mains, on ne peut pas dire que tu ne fais rien. Donc, est-ce que ton mari comprend toutes les responsabilités que tu as? Et troisième question, il faut te poser la question, comment je peux lui faire savoir que je suis prête à répondre à son besoin de soutien au foyer, mais aussi à lui faire part des difficultés que j'ai à assumer mes responsabilités en cette matière pour qu'il m'apporte son aide. Est-ce que, comment réfléchir à comment tu peux lui partager cela? Aux hommes, la première question que vous devez vous poser, est-ce que vous sentez que votre femme répond à ce besoin de soutien au foyer vous concernant? Est-ce qu'elle vous aide comme vous le méritez par rapport aux responsabilités familiales qu'elle doit assumer? Et si non, est-ce que vous avez essayé d'en parler avec elle, de communiquer, de lui dire ce que vous attendez
Parce que comme je le dis souvent, ce besoin est assez implicite. Souvent, à l'occasion de crises, de moments de colère, oui, vous pouvez lâcher, la maison est mal tenue, les enfants ne sont pas propres, tu es là, tu ne fais aucun effort, tu peux dire comme ça, mais est-ce que tu t'as pris le temps de t'asseoir pour exprimer ton besoin, ce que tu attends de ta femme? C'est vrai que j'ai parlé du fantasme tout à l'heure, mais le fantasme, c'est un peu ce qu'on rêve. Mais réellement, aujourd'hui, à quoi t'attends-tu quand tu rentres à la maison le soir? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir? Qu'est-ce que tu souhaiterais que ta femme fasse? Exprime le besoin clairement. Maintenant, ensemble, vous devez faire le premier exercice dont j'ai parlé tout à l'heure en listant l'ensemble des tâches, donc les quatre étapes, lister les tâches, voyez la répartition actuelle, arriver à une répartition équitable. Voilà, ces quatre étapes-là, vous devez faire ça ensemble. Et ensuite, vous devez avoir une discussion pour voir qu'est-ce qui crée le ressentiment, la frustration dans votre relation aujourd'hui par rapport au fait que votre femme ne répond pas à ce besoin de soutien au foyer que vous avez. Vous devez ensemble poser le diagnostic. Quelle est l'origine? Est-ce que c'est parce que vous avez un niveau de vie trop élevé? Nous en avons parlé la semaine dernière. Par exemple, une femme qui a trop d'exigences en matière de le type de maison qu'on doit avoir, le nombre de chambres, les domestiques, enfin, qui demande beaucoup, ça fait que son mari va s'éreinter davantage au travail, va avoir plus de pression pour gagner tout cet argent dont elle a besoin. Et ça va faire peser aussi un risque sur la relation parce que justement, il ne peut pas faire tout ça là et puis t'aider encore. Donc, si tu t'attends, malgré le fait que vous avez un niveau de vie trop élevé qui fait qu'il a trop de pression, tu t'attends encore à ce qu'il t'aide? Non, lui au contraire, quand il a ce niveau de pression élevé pour couvrir les charges financières, il a encore plus d'exigences sur le soutien que toi tu dois lui apporter par rapport aux tâches domestiques. Deuxième possibilité, c'est les enfants. Peut-être que vous avez beaucoup d'enfants qui demandent beaucoup d'énergie. Donc comment vous pouvez vous entendre pour vous ne pouvez pas réduire le nombre d'enfants. Vous pouvez cesser d'en faire. Mais ceux qui sont là déjà, comment vous pouvez vous partager les responsabilités pour arriver effectivement à bien vous en occuper? Est-ce que l'autre élément, ça peut être un mari ou une femme qui sont trop occupés à l'extérieur? Un mari qui est trop occupé à l'extérieur en plus de son travail, qui a d'autres activités de bénévolat, de nous les chrétiens, de responsabilité à l'église, ça peut faire peser ce poids-là qui va faire que la femme sera plus toute seule à s'occuper de ce qui est ménagère et créer un peu de frustration. Donc, ça aussi. Et dernière chose, les loisirs. Peut-être vos loisirs empiètent sur le temps que vous pourrez passer ensemble à la maison à assumer avec l'un avec l'aide de l'autre les responsabilités qui incombent à la femme dans le soutien au foyer. Donc, voilà quelques éléments qui vont vous permettre de discuter et de voir ce que vous devez changer. Est-ce que si c'est le niveau de vie qui est trop élevé, qui fait peser la pression sur vous, ce qui fait que la femme travaille comme une folle, le mari travaille comme un fou, et puis tous les deux, après, quand ils se retrouvent à la maison, ils ne peuvent pas véritablement se combler l'un l'autre leurs désirs, leurs besoins. Il faut, comme je l'ai dit la semaine dernière, réfléchir à vivre moins luxueusement pour pouvoir mieux profiter l'un de l'autre. Si ce sont les enfants, comment vous organiser pour pouvoir mieux les encadrer, mieux vous en occuper? Si c'est des activités hors de la maison, là aussi, il faut trouver l'équilibre. Et si c'est les loisirs, il faut trouver l'équilibre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui, pour ce midi. J'espère que vous avez vraiment retenu quelque chose. La semaine prochaine, nous allons parler du cinquième besoin de la femme et la semaine d'après, le cinquième besoin de l'homme et nous aurons terminé cette série. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te bénis pour ce temps que nous avons passé encore
avec tes enfants qui étaient à l'écoute. Je prie que tous les foyers, tous les couples dans lesquels ce problème de soutien au foyer est un véritable problème, à la fois pour le mari dont le besoin n'est pas comblé et pour la femme qui se sent frustrée, qui se sent pas mal aimée parce que mal aidée, je prie que tu interviennes, Seigneur, et que ce qu'ils ont appris, ça ne soit pas simplement des choses qu'ils savent, mais des choses qu'ils mettent en pratique. Que, Seigneur, ils prennent dès aujourd'hui des décisions par rapport aux choses qu'ils doivent réaménager, ou des décisions par rapport aux choses qu'ils doivent revoir, à leur standard de vie, à tout ce qu'ils doivent remettre en cause pour pouvoir véritablement combler le besoin du mari d'avoir ce soutien au foyer. Seigneur, je prie que tu donnes à tous tes enfants les ressources dont ils ont besoin, l'aide dont ils ont besoin. En dehors d'avoir entendu cette émission, toute aide de toute personne, de séminaires, de livres qui vont les aider à aménager, à améliorer leurs relations, à remplir leur banque d'amour. Que, Seigneur, cette aide-là vienne à eux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.